ont tué des bébés, qui ont tué des Ivoiriens. Nous n'avons pas de naissance à recevoir d'eux. Éventrer des femmes enceintes, découper les bébés. Nous n'avons pas de naissance à recevoir d'eux. Mais on se tait parce qu'on veut la paix. Sinon, ce n'est pas parce qu'ils ont raison. Ils n'ont pas raison. Ils ont fait le pire des choses. Une rébellion qui a décimé la Côte d'Ivoire. Et c'est vous qui avez des leçons à nous donner. Vous n'êtes pas fatigués. Gouvernez pour que nous tous on puisse en profiter. Quand on gouverne, c'est pour que le peuple profite. On se tait parce qu'on respecte notre chef. Sinon, on n'a pas peur de craquer. On se tait parce que le chef est arrivé. Et nous voulons voir ce qu'il a pensé depuis où il était, qu'il fasse asseoir cette nouvelle politique. Sinon, on n'a pas peur. Celui qui a découpé un être humain ne peut pas nous faire peur aujourd'hui. Ce n'est pas lui qui va nous donner des leçons. Celui qui a bu le sang d'un Ivoirien ne peut pas nous donner des leçons. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que pourquoi nous sommes assis ici? Et puis nous parlons ici. Nous allons parler. Personne ne peut nous fermer la bouche. C'est le fusil là qui fait peur. C'est pourquoi nous on ne veut pas fusil. Mais Babou Laura, il dit, prenez la parole pour parler. Prenez la parole pour combattre. Nous combattons avec nos bouches. Et la parole. Donc, il n'aura pas de leçon à recevoir de qu'il soit ainsi, c'est Bakongo. Ainsi, c'est Bakongo. Oh, vraiment. Le monde marche à l'envers. Il a parlé. Il devient humoriste de chez nous. Hein? Ceux qui connaissent ce papier, si tu connaissais ce papier-là, tu n'allais pas induire M. Ouattara en erreur. Tu t'es dit, je reviens dessus, si ce n'est pas Congo.